En janvier, je démontais l'exposition Chemin de traverse, dans laquelle je rendais hommage à mon arrière-grand-père, Ange Abraht, un grand peintre de montagne. J'avais réalisé une installation avec une grande flaque d'eau noircie au brou de noix. Aussi, le démontage étant plus rapide que prévu, j'ai pris 2 journées pour réaliser un quelque chose qui acterait la fin de cet hommage. Je me suis approprié l'eau noire stagnante qui avait récolté les poussières, les traces du temps et des visiteurs pour imaginer un après. Voilà ce que ça a donné. Des territoires superposés, où je trace des lignes en quête de direction.